Salut les gens, de retour sur la bêta de Black Ops 3. Bon, bah, cette fois-ci, je teste un pompe, le Haymaker 12. Je voudrais voir, c'est ce qui me semblait, c'est un pompe à rafale. Alors ça a du lourd, je pense. J'ai hâte de voir ça en situation. C'est bien ce qui me semblait, c'est du lourd. Déjà un pompe, c'est déjà lourd, mais alors en rafale, c'est un truc de ouf. On va voir. On va voir si on arrive à faire pas mal de frags. Par contre, bon, arme courte portée à la base. Hein. Ah, punaise, ça spawn ici. Ok. Alors voyons voir, j'ai un mec. Alors oui, c'est ce que je pensais, c'est vraiment une arme de ouf. C'est une surpuissance, mais hallucinant. Ok, bon, tout le monde a spawné là. Alors par contre, c'est pas une arme longue portée, hein, comme vous avez pu le voir. Alors par contre, voilà. Je suis tombé dans un trou, chose qui risque de vous arriver très régulièrement. Ça, c'est bon, c'est pas très grave, parce qu'à la limite, c'est un peu... Voilà, hein, faut essayer de pas tomber, malheureusement. Mais bon, c'est... Des fois, on fait pas exprès. Des fois, bon, on se dit, tiens, je vais aller sur le mur et peut-être que je risque de tomber. Bon, mais des fois, voilà, c'est vraiment pas voulu. On va attendre. Ah, c'était un pote. Non, c'était pas un pote. Donc, ouais, c'est super puissante, cette arme. Et vraiment... Alors elle est de moyenne portée, on va dire. Ah punaise. Bon alors j'ai aussi pris la nana qui tire des flèches avec son arc, que je trouve vraiment pas mal. Donc oui, au niveau du... Bah, vous verrez au niveau des... Comment dire, je sais pas ce qu'il foutait là. Vous verrez bien au niveau des, bah, des bonus, hein, enfin du moins des spécialistes. Il y en a qui sont mieux que d'autres, je trouve. Après, ça dépend aussi de votre façon de jouer. Oh, c'est une tuerie cette arme. C'est vraiment le mec en face, il a pas grande chance. Alors voilà, bon après c'est vrai que c'est un pompe, mais un pompe super violent quoi, c'est... Bon en même temps, ça fait du bien des fois de se défouler un petit peu, c'est comme les batteuses, hein. On aime ou on n'aime pas, mais au moins ça a le mérite d'être efficace, et c'est tout ce qu'on leur demande. Alors après c'est une arme de noob on va dire, mais c'est une arme de noob. Et bon, pourquoi pas, quand vous voulez faire un petit peu de score, ou quand vous voulez simplement... Ouh, que c'est moche! Ouh, le vicieux, j'arrive par derrière. Et donc, oui, c'est une arme, à la limite, qui est bien quand vous voulez augmenter un petit peu vos niveaux, quoi. On va dire au début, ou... Voilà, parce que quand vous avez les jetons, il y a pas mal de trucs qui se débloquent assez rapidement, hein, donc... Donc après, c'est vous qui voyez, mais il y aura moyen d'avoir des armes assez puissantes dès le début. Hein. Enfin, pas tout de suite, mais voilà, au niveau 15-16, ça y est, vous aurez déjà des armes violentes, quoi. Ouais, cette arme-là est un truc de ouf. Ah, par contre, là, vous voyez, c'est un truc de ouf.
Ah bah voilà, j'ai fait mon double kill, mais j'ai eu un peu de mal. Bon, c'est pas grave. Alors, ouais, on va voir. Mais sinon, bien. Hein. Je vous conseille cette arme, est très très bien. Elle a peut-être un petit peu abusé pour les mecs d'en face, mais sinon, très très bonne. Alors par contre, voilà. Il y a des fois où ça devrait, voilà. Ça devrait marquer. Mais bon, très efficace au moins, c'est pas frustrant de se dire voilà, le mec qui est en face, il vous a buté avant tout le temps. Voilà, un mec qui vient de mourir devant moi là, vous voyez, je sais pas si vous l'avez vu, il est tombé dans le trou. J'ai aussi hâte d'avoir la toupie AR, hein, parce que bon, au niveau des. Bon, ça va, ça part pas trop vite les balles par rapport à. Par rapport à certaines armes qui sont en rafale, il y a des armes, bon, en général, même si elles sont en rafale, je trouve que ça va, c'est pas trop abusé comme avant, où en fait il y avait tellement des cadences de ouf que vous perdiez un chargeur en 2 secondes, presque en butant juste un mec. Bon, c'est bien, mais en même temps, voilà, c'est problématique quand vous n'avez pas d'atout pillard, en fait. Ah, franchement, cette arme-là est vraiment une arme de gueudin. Alors, vous voyez, là, par exemple, le flingue qui ressemble un peu au TAC 45 est vraiment très bon, même de loin. Hein. C'est et très bon, même de loin. Aussi de près, bon, après, bon, c'est sûr que face à une mitraillette, on a un petit peu de mal, hein, mais voilà, c'est... C'est vraiment, ça reste quand même vachement jouable, hein. Après, si vous vous entraînez, hein, forcément. Là, j'ai voulu faire le kéké, et je me suis vite fait emballer. Ah ouais, ce flingue est vraiment un truc de ouf. Déjà qu'un fusil à pompe, c'est violent, mais alors là, vous avez un truc à rafale, c'est un truc de gueudin. Hein. Ah bon voilà, victoire. Donc voilà, je vous conseille ce fusil à pompe à rafale qui est plutôt pas mal si vous voulez XP assez rapidement. Ça vous permettra d'avoir tout simplement le maximum, pas mal de kills. Là, vous voyez, par exemple, j'ai 18 kills. Ça va beaucoup mieux quand on a l'arme adéquate. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!